Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu d'actualité, pardon, puisqu'il est très important qu'on fasse une petite synthèse à l'arrivée de cette année 2022 qui s'achève dans un mois et demi et qui a été quand même assez spéciale. Donc, on le voit depuis maintenant trois ans et demi, où on a de plus en plus d'alarmes, de plus en plus de problématiques qui sont de plus en plus graves et qui arrivent quand même à déstabiliser notre civilisation. C'est un peu dur de le dire comme ça, mais enfin. Nous sommes aujourd'hui dans un monde très compliqué. Alors évidemment, je vais pas revenir sur les 2 années on va dire noires de cette décennie, puisque effectivement, hein, vous savez de quoi je vais entre guillemets parler. Je dis pas ce mot-là parce que je risque de me faire striker la vidéo. Donc on va parler de chat chez moi. On a eu effectivement des choses qui ont été assez complexes, et notamment donc des confinements, des couvre-feux qui ont été amenés, et on n'a pas vu depuis, enfin nous on n'a pas vu, mais bon, pour la dernière guerre mondiale. Donc c'est déjà des choses qui sont déstabilisantes. Aujourd'hui, avec les différentes pénuries, alors il y a vraiment une chose à comprendre, c'est qu'il y a effectivement des pénuries, mais ce n'est pas des grosses, grosses pénuries, mais il y en a, ce qui est assez inédit, on va dire, parce que c'est, il y avait déjà eu quelques petites pénuries, mais là, c'est vraiment plusieurs secteurs, et on rajoute aussi à ça des pénuries de main-d'œuvre qui sont de plus en plus fréquentes, notamment dans les hôpitaux. Ça commence aussi à venir dans le secteur depuis la crise, hein, on a vu, il y a plusieurs secteurs qui ont été touchés. Et pour revenir donc aux pénuries, il y a aussi les médias mainstream, les grands médias qui nous font part de la vérité, de la grande vérité sur le monde, sur ce qui nous entoure et ce qui se passe réellement. Il y a aussi l'effet de peur, l'effet de manipulation du gouvernement qui nous ment. Et donc, effectivement, il y a cette peur constante chez les gens où quand vous leur dites qu'il ne va plus y avoir de PQ, ça va être la cohue. Quand vous leur dites qu'il n'y aura plus d'huile, ils vont tous s'acharner sur l'huile. Et on l'a vu récemment, bon, plus récemment, avec notamment l'essence, énergie, un petit peu cette énergie qui va sans doute un jour être compliquée à se procurer. Donc, les gens aussi sont dans un effet de tourment, de peur, de choses comme ça, qui aussi peut entraîner, bon, sur la dernière vidéo que j'avais fait sur le bien vivre ensemble, il y a effectivement cet effet de ça va pas être l'effondrement qui va amener l'effondrement, mais c'est en fait la civilisation, l'être humain, cette débilité humaine qui va amener à son propre déclin. Donc, on a eu 3, 4 ans, on va dire 3 ans et demi, pour être un peu plus précis, des choses de vie un peu, comment dire, un peu difficile. Hein. On voit que avec l'inflation aussi, ça je vais en parler, avec l'inflation aussi, on voit que ben, c'est de plus en plus difficile d'amener un bien-être aussi psychologique, hein, puisque quand vous avez du mal à finir les fins de mois, quand vous avez du mal à être bien, parce qu'il y a différents éléments, différentes crises qui viennent à droite et à gauche, on peut avoir effectivement cette peur, cette crainte. Alors, pourquoi la chaîne? Eh bien, si vous êtes nouveau, si vous voulez apprendre plus sur les éléments que je viens d'expliquer, si vous voulez vous préparer, si vous voulez vous établir une certaine sécurité, regardez ma chaîne ou celle de mes collaborateurs.
Bon, alors, justement, petite parenthèse, la vidéo autonomie alimentaire, elle arrive d'ici les prochaines petites semaines. Encore un peu de patience, on y arrive. Voilà. Bon, on se fermait. Donc, il y a beaucoup de problématiques qui en résument tout ça. Et alors, le grand discours de nos hauts politiques, de notre gouvernement, petit moment, on n'aura jamais on n'aura jamais de sauveur. Hein. Il faut se le dire, il faut arrêter de croire qu'il y a quelqu'un en haut qui va pouvoir nous venir en laisse, enfin, qui va nous délaisser, qui va enlever la veste et qui va nous laisser courir dans cette immensité qu'est la Terre. Il va falloir bien comprendre, aujourd'hui nous sommes tamponnés, nous sommes tatoués, nous sommes poussés à rester dans l'enclos du système. Et pour ça, on peut. Et pour ça, il faut déjà le comprendre que personne ne viendra nous sauver. Les hauts dirigeants vont faire en sorte de vous garder dans leurs mains, dans leur cage. Donc, pour les lions qui veulent sortir, ben voilà. Ils peuvent en réfléchissant par eux-mêmes. Bref, je me suis un peu écarté du sujet. Mais voilà, bon, si on fait une synthèse de ces 3-4 dernières années, on peut voir qu'effectivement, il y a de plus en plus de problématiques, comme je le disais, et qu'il va falloir commencer, ou même si ce n'est pas déjà le cas, à se préparer. Et à se préparer à quoi? Ben, vous pouvez regarder la chaîne, vous pouvez lire aussi les différents bouquins, j'en parle sur ma chaîne. Voilà. Alors, voilà, je pense avoir fait le tour de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à parler de ma chaîne. Bien. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous dis bonne journée. Ciao, les amis.